Le samedi 14 janvier 2017, la corderie de Sarre-Union accueillait un grand gala de catch organisé sous l'égide de la Ligue nationale de catch. La soirée accueillait de grands compétiteurs parmi lesquels la Team Scottish, champion par équipe, ou encore l'excellent David Michel. Alors c'est très populaire, c'est un sport spectacle. Moi ça fait quelques années que je pratique ça maintenant, depuis pas mal de temps. Et ça attire toujours un public de plus en plus nombreux. Et ça intéresse tout le monde, du plus petit, de 7 à 77 ans. Aussi bien la jambe féminine que les hommes, que tout le monde. Tout le monde se passionne et tout le monde vient et trouve son compte. Ce soir, il me semble qu'on est pas loin d'une bonne quinzaine. Il y a des catcheurs masqués, donc il y a des luchadors, hein, forcément, c'est des gens qui voltigent et tout. Il y a du poids, beaucoup de poids. On a Saro Borgia qui est à 117 kg. On a Dr Muller qui lui est à 115. Hugo Pérez, un équatorien, qui lui est à 120 kg. Donc il y a vraiment de gros gars solides. Et à côté de ça, il y a des mecs comme moi qui font 92 kg, qui entretiennent une forme physique intense. Donc c'est une heure de musculation tous les jours, 14 heures de sport par semaine, niveau technique, gym, souplesse, rapidité, maîtrise de combat. Et tout ça pour donner un spectacle éblouissant, puisque c'est vrai que la plupart des gens nous suivent sur tous les shows qu'on fait dans la région, ou même les shows en France, parce qu'il y a des gens de Paris qui viennent. Ce soir, il y a des gens qui viennent de Paris, on a des gens qui viennent des Vosges, on a des gens qui viennent du Pays Haut, Longuyon. Donc vous verrez que les coups sont réellement portés, seulement il est interdit de taper dans le visage. Le visage est une partie importante pour un catcheur, autant pour faire de la promotion télévisée que pour la promotion de spectacles. Quand on va dans des centres commerciaux, c'est des autographes, tout ça. Et puis on n'est pas là pour se casser le nez, hein. C'est pas le but. Par contre, tous les coups au corps sont réellement portés. Mais il est vrai que le catch américain à la télé nous porte un peu préjudice, puisqu'ils font du catch scénarisé. Donc c'est un peu, souvent je le dis aux gens, c'est comme regarder un film de Rocky et de voir un match de Mike Tyson. On voit le match de Mike Tyson, on voit que les coups sont portés, et quand on regarde Rocky, on a du spectacle. Les Américains, c'est Rocky, et nous, on est le vrai combat de Mike Tyson. On accueille vraiment un public très familial. La preuve, ce soir, on a des tables, et les tables, on peut voir qu'il y a plusieurs générations. Il y a les enfants, il y a les grands-parents, il y a les parents. Notre spectacle doit être populaire et accessible à tout le monde, et que tout le monde puisse passer une super soirée sans que ça coûte les yeux de la tête. Ce soir, je vais faire équipe avec Enigma, donc un catcheur talentueux, voltigeur, et donc on a affaire à du poids lourd, on a affaire à Hugo Pérez, équatorien, donc énormément lourd, 120 kg. On a affaire à Diego Del Paso, donc le matador des rings, un catcheur qui est de voltige. Donc ça va pas être une mince affaire tout ça, mais bon, on pense à la préparation qu'on a eu en amont, à l'échauffement qu'on va avoir dans les vestiaires, et je pense qu'on va pouvoir mener à bien le combat. Après une belle prestation des danseuses de l'association Arizona, puis une animation destinée à chauffer la salle, les combats ont enflammé la foule, avec tout d'abord celui opposant Brian au terrifiant Saro Borgia. Attention, quand on fait des mains. Prends la main, Brian. Numéro 1, 2 et 3, et c'est la victoire.
respect, monsieur l'arbitre. Le tombé 1, 2 et 3. Et c'est la victoire de Docteur Mullet. Oh!
une ambiance de folie, fidèle à sa réunion. Hein. Donc on espère qu'année prochaine, on va faire encore mieux. On espère qu'on aura ce 1 euro symbolique, que la salle restera vraiment remplie de tables pour avoir le maximum de familles possible et qu'il y ait une ambiance encore plus chaude que ce soir. Et grâce à tout ce public, j'ai gagné mon premier match et avec mon équipe, on a gagné le deuxième match. C'est extraordinaire. Merci, sa réunion. Et merci à tous les publics qui sont venus des alentours de sa réunion. Merci beaucoup. Très bonne soirée, comme d'habitude, ici dans l'Est. C'est pas la première fois que je travaille ici pour la LNC. Ils ont fait encore une fois un super, super travail. Le public au top. Et comme d'habitude, le meilleur avec moi, Hugo Pérez, le numéro uno d'Amérique latine. Un public de fou, franchement c'était super cool. Hormis que nos adversaires n'ont pas arrêté de tricher, c'était très compliqué, mais l'essentiel c'est qu'on ait remporté ce match à 6 et non, je suis vraiment très heureuse et j'espère revenir ici. Un public juste exceptionnel, un des meilleurs qu'on ait jamais vu, mais à la hauteur de tout ce que je peux être de plus terrible. Solo tengo una cosa para decirte. Yo voy. ¡Viva Diego del Paso! ¡Olé! ¡Olé! Explosive, les gens ils étaient là, on a compris, on a vu que les gens voulaient, ils en voulaient, on leur a donné. On leur a tout donné. L'année prochaine, on sera sûr au rendez-vous. Sûr. Si en espérant qu'il y aura encore plus de monde et qu'on pourra toujours accueillir encore plus de monde. Ouais, c'était au top du top. Chaque année, on revient. De toute façon, à chaque fois, c'est super. Le public, il est avec nous. Il est terrible. Et le principal, c'est que le public a kiffé. Nous, on est là pour ça. Et voilà. C'était vraiment super, super. Et je vous dis à l'année prochaine. Et continuez comme ça. Bon public, gens sympathiques. Nous, on a aimé. Voilà. On s'est éclaté dans tous les sens du terme. Donc, merci à vous de nous suivre. Et je dirais à la prochaine. Il n'y a que ça à faire. Quoi. Longue vie au catch.